J'attendrai si t'as mieux à faire ailleurs. Non, je raterai pas ça pour tout l'or du monde. Non. Je rêve. T'as rien d'autre à faire de tes samedis soirs, ça devient tragique. Raconter à tout le monde ce qu'on a fait. Pas vrai! Un type qui fait son jogging en pleine nuit, ça paraît louche, non? Quoi, t'as jamais fait ça? Hey. Les flics vont peut-être finir par la croire. Bon, je vais le photographier pendant qu'il passe sous lampadaire. Le laisse! Ça suffit! Non, mais ça suffit! La ferme! Mais qu'est-ce que c'est que ça, Sir Janice? Oh non, je ne savais pas. Il y a une injonction du tribunal, Corby. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de l'approcher. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Allez, ça va, calmez-vous maintenant, d'accord? Je sais pas qui vous êtes tous les deux et ce que vous foutez ici, mais ça ne regarde que moi et ma femme. Janice! Oh! T'as rien compris? Tu dois plus tourner autour de la maison, ni autour d'elle. Tu dois rester bien sage. Et si je t'envoie près d'ici, je te casse les deux bras. Il a pigé. Allez, fous le camp! Je suis désolée, mais on l'a vu pénétrer chez vous. Et... C'est gentil à vous. On a aussi des photos. C'est très gentil, merci. Ouais. C'est la femme qui l'a écrasé? Elle était au téléphone, elle l'a pas vu. Oh, il était probablement mort avant. Vous l'avez identifié? Oui, c'est un Américain, Kyle Vitali. Il avait peut-être passé de sales vacances. Mais enfin, qu'est-ce que t'essayais de prouver? Je voulais lui faire passer le goût de recommencer. Ah oui, et qu'est-ce qu'on va faire s'il porte plainte? Ah, tu sais qu'Urbi ne veut pas qu'on sache qu'il tabasse sa femme. Je sais qu'il bougera pas. Ouais, t'as peut-être raison, mais la prochaine fois que tu pointes des manches, pense que la licence est à mon nom. Bien, patron. T'en as rien à faire. Tant si, j'adore mon boulot, j'ai un bureau qui me sert de maison, de super horaires, et la plus mignonne des patronnes. Pas la peine de jouer les lèche-bottes, ça sert à rien. Je peux pas te payer ta semaine. Cool, on ira dans un bar pour oublier. Quel romantique. Ou encore mieux, on n'a qu'à mettre les voiles et aller voir le soleil se lever. C'est non. T'as le trac. Allez, apprends à vivre dangereusement. Une balade en mer la nuit, c'est grandiose. J'ai le mal de mer, tu vois. Je rentre chez moi nourrir le chat. Oh, ça c'est vivre dangereusement. Eh oui, que veux-tu, chacun son truc. Je serai là demain matin, je te réveillerai à l'aube. D'accord. Salut. Bonne nuit.
parti faire de la voile. Mais rien qui marche ici. Maintenant, j'en ai plein les mains, voilà. Excusez-moi. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais voir Monsieur Lawless. Je suis occupé. Dommage, je laisse, on a une affaire. Oui, c'est mon époux. Il reste juste quelques formalités à accomplir. Où sont ses affaires? C'est tout ce qu'il y a? Où sont passés ses vêtements? Ils sont un peu abîmés. Je les voudrais quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a? Tu peux pas être discret. Ouais, c'est notre cliente. Elle vient de perdre son mari dans des circonstances douloureuses. Bon, et alors? Lana Vitali, voici. Oh, monsieur Lawless. Appelez-moi John. L'inspecteur m'a chaudement recommandé vos services. Est-ce que je pourrais vous parler seul à seul? Ouais, bien sûr. Je vous remercie. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Je vais faire rapatrier son corps. Je suis désolée. La police dit qu'il se serait suicidé. Vous n'en êtes pas convaincue? La police a des témoins qui l'ont vu sauter et tomber. La dernière fois que j'ai vu mon époux, tout allait très bien. Et il avait envie de vivre. Si ce que la police dit est vrai, je veux découvrir ce qu'on lui a fait pour qu'il attente à sa vie. Est-ce que vous voulez m'aider, John? Je ferai de mon mieux. On va aller voir où il habitait. Vous savez où ça se trouve? Oui. C'est près du port, c'est plutôt chic. Regarde ça. Datura. Est-ce que vous voulez qu'on vous dépose à votre hôtel? Non, j'ai envie de voir où il vivait d'abord. Cette photo a été prise quand on était à Phuket. Kyle montrait au barman comment on fait un Manhattan. Ok, tu fais le tour de toutes les boutiques et cafés du coin. Il avait peut-être des connaissances, des amis qui pourraient nous dire s'il a... S'il allait bien ou mal? Oui, à tout à l'heure. Elle est très jolie, votre assistante. Ouais. Allez, venez. Alors, qu'est-ce que Kyle faisait dans la vie? Il ne faisait rien la plupart du temps. Voyager était sa vraie passion. Il ne travaillait pas? Non. Il était très doué en informatique. Il pouvait travailler n'importe où. Fallait juste qu'il ait envie. Je passe devant. Thank you.
infiniment pour votre aide. Merci. C'est l'homme qui venait souvent, c'est ça? Mm-hmm, c'est ça. Merci pour l'info. De rien. Lana, vous ne devriez toucher à rien. Mais je... J'ai cru que je pourrais peut-être... trouver une lettre ou quelque chose qui explique. Est-ce qu'il gardait des objets de valeur? Des bijoux ou autre chose qui aurait intéressé des voleurs? Peut-être bien un peu de liquide. Et son PC, il voyageait toujours avec lui. D'après ce qu'on dit, c'était tout sauf un bonnet de nuit, notre Kyle. Quelqu'un qui aime la compagnie? Eh ben, j'ignore si tu voudras en parler ou non à sa chère femme, mais il est sorti avec 3 jeunes femmes en une semaine. Et apparemment, il aime s'amuser et ce serait un client régulier d'une certaine boîte de nuit sur K-Road. Le Datura? Mm-hmm. À mon avis, ce type n'était pas si déprimé. Non, là, il y a un truc qui est vraiment bizarre. On dirait pas qu'il avait envie de quitter la ville. Cherche dans le parking de l'immeuble. Vois s'il se souvient de lui. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il s'est pointé et a dit « Bonjour, je viens pour me tuer ». Essaie de voir s'il avait une voiture dans laquelle il aurait pu laisser un agenda ou son ordinateur. Écoute, je sais que c'est mon boulot et Dieu sait qu'on en a besoin, mais... Est-ce qu'on n'est pas en train de la voler? C'est vrai, on ne sait même pas ce qu'on doit trouver. Ceux qui ont fouillé à fond son appartement ne lui voulaient pas que du bien. Peut-être qu'il leur devait du pognon. Ouais, et tu crois qu'il aurait sauté par peur? Ce serait pas la première fois qu'un type se suicide à cause d'une dette. On se retrouve un peu plus tard et on compare nos notes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Je vais en boîte. Ouais, le type qui a sauté du toit, ça m'a refilé encore plus de boulot. Il a fallu que je vérifie toutes les bagnoles qui avaient passé la nuit ici pour voir s'il y avait la sienne. Quelle perte de temps. Et elle n'y était pas? Non, il avait même pas de bagnole. Je me demande pourquoi il est venu ici. Il y a un tas d'immeubles plus haut que nous. Vous l'avez vu entrer ce soir-là? Ben non, il y a 2 ascenseurs, 3 escaliers, on peut pas tout surveiller. Mais vous avez des caméras de sécurité? Juste à l'entrée et une à chaque étage. Vous n'en avez pas mis ici? Si, mais elle est en panne depuis des mois. Alors c'est là que ça s'est passé? Ouais, c'est par là, enfin c'est ce qu'ils disent, hein. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un enregistrement de toutes les voitures qui sont entrées à l'heure où il est mort? On l'a peut-être déjà effacé. Trouvez-la pour moi. Ce serait si gentil. Ok. Merci. Je vais voir. Dites donc, il n'a pas mis beaucoup de temps à se faire des amis. Il était comme ça. Un jour, on a même reçu les vœux de Noël qui venaient d'un gars qu'on avait rencontré une fois, dans un train à Venise. Vous croyez que je passe habillée comme ça? Oui. Je crois que vous ne devriez pas venir. Ne vous inquiétez pas pour ce que je pourrais apprendre sur Kyle. Je suis plus une enfant. Je suis au courant de ce qu'il aime. Bon, d'accord, mais vous attendez dehors. Et si je rencontre quelqu'un qui le connaissait, je viens vous chercher. Ce que vous êtes galant. Vous restez là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça bouge ce soir? Ouais. Je vais jeter un œil. Pardon. Excusez-moi, vous connaissez cet individu? Demandez à Nat, là-bas. Merci. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que je sais? Rien pour l'instant. John Lawless. Nat Joseph. Vous connaissez Kyle Vitali? Dites-moi. Kyle. Ouais, il est décédé depuis 2 jours. Désolé de vous l'apprendre aussi brutalement.
Vous le connaissiez bien? Ouais, il paraît que c'est un suicide. Merci quand même. Pas de quoi. Un peu de grabuge qui se prépare aux toilettes. Vas-y, mettre le haut là et vire le gars. Et tu pisses pas dessus, mec. Qu'est-ce que t'as volé chez Kyle Vitali l'autre jour? Qui ça? J'ai rien trouvé, rien trouvé du tout. Bon, alors qu'est-ce que tu voulais? Ça va, lâche-le. Écoute, mec, ce clopenrec, si quelqu'un y fait le souk, c'est d'or. On avait une petite discussion, c'est tout. C'est à vous, cet endroit? Vous êtes qui? Johnny Wilson. Vous êtes flic? Non. J'essaie de retrouver un ami d'enfance, Kyle Vitali, ça vous dit quelque chose? J'ai une mauvaise mémoire. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je pars. C'était sympa. Mes hommes vous font sortir par derrière. Ouais, si vous voulez. Là, c'est toi qui vas te pisser dessus, espèce d'ordure. Allez, on s'arrache. Où il est? Loles, tu es là? Loles? Salut. Je vais pas rentrer tout de suite, on se verra demain matin, d'accord? Vous trinquez avec moi? Non, je reste à la bière, merci. Vous étiez censé attendre dans la voiture. Je ne voulais pas que vous vous amusiez sans moi. Vous provoquez toujours ce genre de réaction chez les gens? Ça dépend du genre de questions que je leur pose. Vous croyez qu'ils vous ont attaqué parce que vous leur aviez parlé de Kyle? Oui, j'en suis sûr. Est-ce que Kyle avait des dettes? Je crois que non. Est-ce qu'il était flambeur? Il a dû jouer quelques fois, mais il n'avait pas ce problème. Enfin, ça, j'en doute. Je pensais que je ne connais pas très bien mon mari. Je pense qu'il a des problèmes avec ces gens-là et n'a pas voulu vous inquiéter. Vous croyez qu'ils sont responsables de son décès? Oui, je crois. C'est une possibilité. On finira bien par trouver. Ça ira. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'est une vraie chance qu'on m'ait envoyé chez vous. C'était peut-être le destin. Bonne nuit, John. Oui. Oui, bonne nuit. Je vous remercie. De rien. Tu viens de prendre un râteau. John est là? Non, il est dehors. Pourtant, il m'avait dit de le retrouver ici. Oui, ça c'est bien de lui. Avec lui, c'est toujours l'imprévu.
C'est l'endroit où ça s'est passé. Oui. J'espère au moins qu'il n'a pas trop souffert. Je suis désolée, je... vous voulez un café? Oui, merci. Vous vivez ici? Non, mais John, oui. Alors, vous travaillez pour lui? Eh bien, en fait, c'est plutôt lui qui travaille pour moi. Oh, désolée, je suis idiote. Oh non, non, ça va, c'est ce que tout le monde pense. Lait, sucre? Non, sans rien. Vous faisiez équipe tous les deux? Non, non, j'étais à l'administration. C'était John, le flic, il avait infiltré le milieu. C'est pas quelqu'un de facile à manier. Oui, c'est ce que je dirais. Ouais, c'est lui. Phil Mayo possède le Datura, en plus d'une ou deux cases, c'est un bordel à New Line. T'as joué ta vie en y allant, ces gars-là ne plaisantent pas. Ouais, t'inquiète pas, je leur ai pas dit qui j'étais. Tu me laisses le dossier? Non. Allez, passe-le-moi. Si j'ai quoi que ce soit sur Mayo, tu seras le premier à le savoir. Tu te rappelles de cette boîte sur High Street où il y a eu une bombe l'an dernier? La voiture du gars a sauté juste après. On est sûr que Mayo est derrière, mais on l'a pas eu. Alors fais attention. J'ai serré. John. Elle réagit comment, la veuve éplorée? Tu es sûr qu'il s'est suicidé? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, mais ce gars avait pas l'air très honnête. Et il avait de mauvaises habitudes. On a fait des analyses, son système était plein de drogue, sans doute de l'ecstasy. Peut-être qu'il a cru qu'il pouvait voler. Merci, vieux. Tu as trouvé des témoins qui l'auraient vu sauter? Non, rien. Tu t'es amusé? Oui, c'était intéressant. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. T'as encore fait des tiennes. Hein? Elle en a eu assez de t'attendre. Ah, zut, j'avais oublié. Bon, ça, c'est le barman du Datura, Nat Joseph. Une bonne vingtaine, assez mince, taille moyenne. Apparemment, lui et Kyle étaient copains avant, alors essaie d'entrer en contact avec lui et agis avec subtilité. Quand j'ai prononcé le nom de Kyle, il s'est fermé comme une vitre. Je sais être subtil, plus que certaines personnes que je n'aimerais pas. Dis Andy de t'accompagner. Oh non, tu plaisantes? Ben pourquoi? Il a rien à faire, il est pas cher. Parce que le gouvernement le paye pour ne rien faire. Il est en admiration devant toi. Ouais, surtout devant mes sous-vêtements, oui. Oh. Apparemment, Kyle traînait souvent avec cette espèce de salaud, Phil Mayo. Alors toi et Andy, faites bien attention à vous. Et pendant qu'on fait ça, où est-ce que tu penses que tu... Va aller. Salut. Salut. Écoutez, je suis désolé pour ce matin, mais... il y a quelques trucs dont il faut qu'on parle. Oh, oui, bien sûr, mais pas dans cet endroit. Je vais devenir dingue si je reste ici. Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Ouais. On pourrait jouer les touristes. J'avais loué un yacht en Grèce l'an dernier. On a fait le tour des îles. Kyle voulait faire de la plongée, c'était nouveau. Mon mari adorait ce qui était risqué. Il touchait à la drogue? Il en prenait de temps en temps. Cette fois, il a peut-être cru qu'il pouvait voler? Non, il n'aurait jamais essayé de voler. Dans la police, ils ont plutôt une vision étroite de ce genre de choses. Et vous, non? Non, c'était peut-être un accident. Il serait tombé. Mais vous n'y croyez pas vraiment. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais peut-être dû être avec lui. Avez-vous jamais été marié? Une seule fois. Vous êtes séparés? J'ai cru qu'on pouvait tout arranger. Elle part. C'est lui qui en a eu assez de moi. Mais maintenant, vous voyez, je crois que j'ai... que j'ai tout raté, que... tout ça, c'est ma faute. Oh, Seigneur. Ah.
Alors, John, t'as quand même proposé un rendez-vous, ça y est? Andy. Quel crétin, ce mec. On a un accord verbal, il faut que le travail passe avant tout. Ça vaut aussi pour ceux qui sont à mi-temps. J'ai appris que t'as été malade. Oui. Oui, j'ai arrêté de prendre mes pilules pendant quelques temps, alors on m'a enfermé pour mon bien, pareil. Mais bon, je vais mieux, ça y est. Et où est ton chien? Je l'ai abandonné, je suis pas fait pour lui. Oh, je crois que c'est notre homme. Je vais le suivre, compris? Reste derrière au cas où il prendrait une bagnole. Oui, si, oui. Et Johnny? Quoi? T'as bien un plan? Oui, Andy. Cool. Je suis désolée. Non, c'est rien. Tenez. Oh, quelle maladroite je fais. Laissez-moi vous payer un autre petit déjeuner. C'est rien, vous en faites pas. Non, j'avais presque terminé. Oh, je me sentirais bien mieux. Oh, c'est pas vrai. Je me sens idiote. Vous allez bien? Vous vous êtes pas brûlée? Non, ça va, je vais bien. Je suis allée aux funérailles d'un ami hier et je crois que j'ai du mal à m'en remettre. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça. J'ai un ami qui est décédé il y a quelques jours, alors je sais ce que vous vivez. Oh, merveilleux. J'ai ruiné votre petit déjeuner, en plus je vous ennuie. Non, ça fait du bien d'en parler. Bon, asseyez-vous, je vous offre un autre café. Oh, je dois m'en aller. Non, si vous dites non, vous allez me vexer. Ah. Il était toujours très stressé. Et puis on s'est disputé. Pourquoi? Oh, c'était une de ces disputes ridicules que les couples ont si souvent. Je disais que ça irait mieux à notre prochaine rencontre. Oh. Vous voyez, quoi que vous trouviez sur Kyle, et même si ce n'est pas très net, je veux que vous me disiez. Bien sûr. Ça ne vous semble pas étrange? Vous voyez, un de mes amis s'est suicidé il n'y a pas longtemps. Je suis presque sûr que c'est à cause de moi. Et je donnerais n'importe quoi pour savoir la vérité. On est sur la même longueur d'onde. On rentre au port, ça vaut mieux. Oui, bien sûr. Et cet ami bossait dans cette boîte avec vous? Non, il était trop bien pour ça. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est le mien. Ravi qu'on se soit rencontrés. Ouais, salut, Nat. Et n'oubliez pas, si je finis pas trop tard, on ira tous les deux se vider une bouteille. Ouais, salut. Tu sais la différence qu'il y a entre lui et moi? Je voudrais te voir sans ton pantalon, mais lui, c'est pour te le piquer. Et l'autre différence, c'est qu'il va sortir avec moi. Je vais chercher le van. Hé, hey, le laisse. Désolé, je fais de la voile. Laissez-moi un message. C'est la cliente? Ouais, t'as vu la nana? Elle t'arrive pas à la cheville, princesse. Merci, Andy. Tu crois que John Boy a déjà des vues sur elle? Je me tape les démarches et tout le sale boulot, et toi, tu vas naviguer? Et tu crois que je me sens comment? Ne te creuse pas la tête, je vais te le dire. Je me sens utilisée. On avait parlé de partenariat à l'Oles. Excuse-moi, je l'ai juste emmené prendre l'air. Ben, pour ça, il y a le parc. Je voulais satisfaire notre cliente, c'est tout. Quelle gentillesse tout à coup. Tu n'as trouvé aucun mec à cogner aujourd'hui. Oh, mais j'ai encore le temps. Ils se disputent comme de vieux amants. Ils sont pas. Pas encore. Mais le suspense est trop, vraiment. Et tu es jalouse? Ne sois pas vulgaire. Parce que si tu l'es, tu peux venir avec moi faire un tour en mer. La prochaine fois que j'ai envie de vomir, je viens. Mais t'as oublié qu'il y a tout un tas de petits boulots à finir au bureau. Comme par exemple trier les papiers du portefeuille de Kyle. T'adores faire ça? Je le ferai pas, c'est ton tour. Excusez-moi.
Désolée, on allait fermer. Écoutez, je n'en ai que pour un petit moment. Je veux juste savoir si vous connaissez cet homme-là. Kyle Vitali. Je sais qui c'est. Excusez-moi. Non, juste une ou deux petites questions, s'il vous plaît. C'est vraiment important. D'accord. C'est gentil, merci. Est-ce que le boss sait ce qu'on va faire ici? C'est pas la peine, non. Tu sais très bien que c'est lui. Il a un tas d'autres préoccupations. C'est privé ce soir? Ouais, c'est exact. Bon. Je devais voir un ami qui en fait travaille ici. Montez. Ah, vous êtes un ange. Hé! Tu sais lire? Oui. J'avais une invite là, quelque part. Ça y est, je sais ce que j'en ai fait. Dans la cuisine, sur la table. Ça, c'était pas dans le plan. Il est bienvenu à plusieurs reprises pour des chemises, des gilets. De la meilleure qualité. On a discuté un peu de tout. Du chiffon, il avait du goût. Il me racontait sa vie. Il m'a invité dans ce bar de Kayrode. Le Datura. Oui. Le club n'était pas ouvert à tout le monde. J'ai mentionné son nom et là, on m'a laissé entrer. Et il vous attendait à l'intérieur? Non. J'étais assise au bar et là, un gars s'est approché et a offert de me payer un verre. Il a dit qu'il s'appelait Phil. Et c'est la dernière chose dont je me rappelle. Hey Nat. Voilà. Je savais pas que c'était privé ce soir, donc je risque de pas être libre avant des heures. C'est rien, qui paye cette soirée? Tu devrais t'en aller, ça vaut mieux. Non, je t'aide pas. Écoute ce que je te dis, d'accord? Phil a invité ses partenaires de business, tu vois ce que je veux dire? La plupart des filles sont des professionnels. Oh, oui, je voudrais pas te causer d'ennui. Je peux rester peut-être boire un verre. Salut. Salut. C'est une amie à toi, Nat? Oh non, j'ai raconté des histoires à l'entrée, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Bien sûr que non. Va donc t'occuper des verres qui sont vides sur les tables, profile-leur des cocktails. Moi, c'est Phil. Et moi, Jody. Jody, que désirez-vous boire? Du champagne? Oui, ça c'est une idée. Magnifique. Laisse-moi passer, quoi, allez. Et j'ai entendu parler de Phil Mayo, je sais comment ça fonctionne. Ouais, comme quoi? Hey, 50 billets pour regarder. Mais un autre pour le risque. Vas-y, c'est tout ce que j'ai. T'as un PC? Ouais. Connecte-toi sur ce site, www.septeurcyber.com. Si tu aimes ce que tu vois, tu te feras ta petite soirée bien tranquille chez toi. Cool. Vous connaissez ce parc à côté de Kayrode? Hein? Je m'y suis réveillée le lendemain matin. J'ignore encore comment je suis arrivée là, mais... Mais c'était l'horreur. J'avais mal partout. Je savais que j'avais eu des rapports sexuels, mais j'ignorais avec qui et où. Je savais rien. Mais je n'oublierai jamais le bâtard qui a voulu me payer ce verre. Qu'en a pensé la police? Rien, je ne me souvenais plus de rien. J'ai rien dit. Je voulais effacer tout ça, mais... J'ai ces affreuses images qui m'encombrent la tête et... Je vois Kyle, son visage. Sarah, vous croyez qu'il a abusé de vous? J'en sais rien du tout. On dit qu'il est mort, que c'est un suicide. Oui. Peut-être qu'il s'en est voulu après. Je fais ces petites soirées pour montrer mon appréciation à tous les membres de mon équipe. Alors tous ces gens-là travaillent pour vous? Je fais des tas d'affaires ici. Vous allez bien? Oui. Judy, debout, venez avec moi, je veux vous faire une surprise. Quoi? Nous avons une pièce spéciale pour ceux qui sont mes amis. Ok. Je peux aller... Je crois que je vais aller me repoudrer.
Vas-y, vérifie les détails. Scepter cyber, ça y est. Vidéo. Vas-y, charge. Bon, allez, magne. Elle pense qu'elle a été droguée. Elle s'est réveillée le matin et... elle croit que Kyle a abusé d'elle. Mais elle n'est pas du tout sûre que c'est Kyle. Non, elle n'en est pas sûre. Vous croyez qu'il est capable de faire ce genre de choses? Non. Après tout, je n'en sais rien. Vous voyez, je ne sais plus qu'une chose, il est mort. Lana, dites-moi toute la vérité. Il pouvait être charmant et en même temps... Quoi? Eh bien, en fait, je l'ai découvert qu'il faisait l'amour à une autre femme. Et ça m'a rendu dingue. Si je vous ai engagé, ce n'est pas pour savoir pourquoi il s'est tué, mais je voulais savoir s'il en voyait d'autres. C'est grotesque, vous ne trouvez pas? Non, vous vouliez avoir l'esprit en paix. Je voulais trouver une bonne raison pour ne pas passer le reste de ma vie à porter le deuil pour quelqu'un qui se fichait de moi. Là, je dois dire que j'en ai eu pour mon argent. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on dit déjà quand on veut quelque chose très fort? Faut s'attendre au pire. Je crois que le moment est arrivé de chercher l'oubli dans l'alcool. Je croyais que vous n'aimiez pas les alcools forts. C'est vrai. Oui, John, Jody est dans la boîte. Je lui ai dit de pas y aller, mais tu la connais, elle écoute rien. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Mayo, il entraîne des filles dans une espèce de partouche géante qui balance sur Internet et Jody... Tu sais où elle est? Tu veux que j'y aille? Non, reste. Reste où tu es. Mais je... Non, reste bien là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Dave. Oui, j'en ai rien à foutre, réplique. Où sont les renforts? J'ai trouvé que c'est de là alors qu'il est. Ah, tu te fous de ma gueule! Je croyais t'avoir dit d'éviter Phil Mayo. C'est pas le problème pour l'instant. Ça fait combien de temps qu'elle est entrée? Une heure et demie, peut-être deux. Je voulais pas qu'elle entre, mais tu la connais. Andy, je sais, on en reparlera. On entre! Allez, enfonce les gars, enfonce, enfonce! Allez, les gars! Johnny. Salut, beau boss. On n'a rien trouvé. Appelle mon avocat et dis-lui de s'amener tout de suite. John, ne sois pas stupide. Laisse Phil Mayo, c'est notre affaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Venez avec nous. C'est bien la preuve que c'est du harcèlement. Mais il va où?
Il ne sait pas si Jody était là ou non et il a un tas d'amis influents. Alors il s'en va comme ça. Il a menacé de porter plainte. Il a été choqué qu'on ait interrompu sa soirée privée sans avoir de mandat. S'il a monté un réseau porno, c'est pas au club. Mayo! Mayo, espèce torture! Non, calme! Où est-ce qu'elle est? Le laisse, lâche-le! Comme j'ai dit au commissaire, j'ignore de quoi vous voulez parler. Je parle de vous couper les couilles et de vous les faire bouffer si jamais quelque chose est arrivé à Jody. Où est-ce qu'elle est? Lawless, ça suffit! Ça suffit! Lawless, hein? Oui, j'oublierai pas ton nom. Parler d'une blonde, c'est ça? On se rappelle d'elle, alors? Ouais, quand je l'ai vue, je crois qu'elle était debout sur le bar et elle s'amusait avec des balles de ping-pong. Sale pourriture! Mayo, dégagez d'ici! Comment j'ai atterri ici? Bien, bonjour. Tu étais dans un drôle d'état. Oh, je me rappelle de rien. Je suis passée au club pour te voir et... Et puis plus rien. On t'a fait prendre un Mickey Fine. Mais rassure-toi, avec moi, tu risques rien. Tu veux dire Phil Mayo? Attends une seconde, c'est mon tour. J'avais besoin d'argent pour le taxi et j'ai trouvé ça sur toi. Et ça aussi. Qui sont Lawless et Keane, détective privé? C'est toi? Ouais, je suis Jody Keane. Alors, le coup du café, c'était pas un accident, c'est ça? Ok, désolé. Ça a un rapport avec Kyle? On fait des recherches sur son décès. Ça vous servira à quoi de remuer le passé? Sa femme veut savoir. Sa femme? Vaut mieux qu'elle sache rien pour son bien. Mais qu'est-ce qu'il y a au Datura, Nat? Je regarde pas autour de moi et je fais mon job, c'est tout. Oui, mais hier soir pour moi. Si Phil découvre que je t'ai aidé... Mais quelle connexion peut exister entre Phil et Kyle? On dirait un chien après son os, hein? Tu lâches jamais? Kyle est venu au club un jour. Il avait tout un tas de drogues et aussi du blé. Il était très attirant. Tout le monde l'aimait bien. Tu vois, il y avait ce truc chez Kyle. Il était adorable pendant une minute et puis la suivante... C'était Jekyll et Hyde. Mais tout ça, sa femme le sait déjà. Oui, je voudrais un taxi, s'il vous plaît. Certaines des filles semblent d'accord. Et par contre, pour les autres, faut le dire vite. Ce bâtard promet un nouvel arrivage et une mise à jour tous les mois. Et il y a un moyen de le tracer. Comme je t'ai déjà dit... Salut les gars, qu'est-ce qui se passe? Bon sang, tu étais passé! Tu m'as filé la trouille de ma vie. Vous imaginerez jamais ce que j'ai fait. Tu n'aurais jamais dû entrer là sans moi, princesse. C'était pas dans le plan. Au secours! Qu'est-ce que c'est ce truc? Aidez-moi!
crois que c'est ce qui est arrivé à cette fille, Sarah? C'est ce que je crois, oui. Oh, Seigneur. Faut qu'on aille voir les flics. Il y a un problème depuis Internet avec cette pornographie. Les lois ne sont plus du tout adaptées à tout ça. Il peut faire ses films à Tombouctou ou juste au coin de la rue. À mon avis, c'est juste au coin de la rue. Ouais, mais le prouver, ça va pas être facile. Eh, on va pas les laisser faire. On va réétudier l'histoire de Kyle. Dis-moi, où est le rapport? Ça nous ramène directement à Mayo. Ok, avec ce qu'on a appris sur Kyle par sa femme, vous avez réellement l'impression que c'était le genre de type à suicider? Non, mais... Et si on parlait de Mayo? Est-ce que quelque chose chez lui suggère qu'il est assez malin pour installer un site internet? Allez, vas-y, accouche. Kyle était d'après tous une sorte d'expert en informatique, mais son portable n'est plus là. Et ton ami Nat, t'as bien dit que Kyle avait toujours un tas de drogue et de liquide sur lui. Exact. Bon, et les sbires de Mayo fouillent son appartement, ils font pas ça pour rien. Qu'est-ce que tu cherches? J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. On est le vrai poids. Hé, hey, t'es prêt, Andy? C'est pas là qu'il aurait dû atterrir. Bon, celui qui l'a fait tomber était plus costaud que toi, ok? Ou peut-être qu'on l'a aidé un peu. Il y a des traces de pneus qui vont vers le bord. Alors, ça voudrait dire qu'une voiture l'a poussé? Ouais, c'est une théorie. C'est pas une mauvaise théorie. On se retrouve au bureau? Si ce que tu dis est vrai, pourquoi le médecin l'a pas mentionné dans le rapport? Parce qu'on lui a roulé dessus après qu'il ait atteint le sol. Bon, maintenant on va voir les flics. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on devrait faire. Sauf qu'on est payé pour découvrir ce qui est arrivé à Kyle. Oh, écoute, j'aimerais beaucoup que Phil Mayo se fasse avoir et plus que tout qu'on fasse détruire son site. Bon, très bien. Essaie de savoir quel genre de voiture Sarah conduisait. Et la même chose pour ton ami Nat. Compare les numéros d'immatriculation avec ceux qui étaient dans le parking ce soir-là. Ouais, d'accord, allons-y. J'ai promis à Lana d'aller la voir. Et je dois aussi faire des recherches sur Mayo. Bien, bon, à tout à l'heure. Kyle s'était fait une vraie querelle d'ennemis. Ouais. Qui c'est ça? Un ami de Kyle, il bosse au Datura. Et celui-là? Ça, c'est Phil Mayo. C'est lui que tu veux voir? Ouais, je vais lui rendre visite. Bien, je viens avec toi. Tu pourras lui faire dire tout ce qu'il a fait à Kyle. Le forcer à se confesser, c'est pas valable. Rien à faire, je veux tout savoir. Je suis désolé, ici ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Lana, je veux avoir la peau de ce gars autant que toi. Si cette espèce d'enfoiré a tué mon mari, j'ai envie qu'il me regarde bien en face et qu'il me le dise. Aide-moi, s'il te plaît. Phil Mayo n'est pas le genre de type que tu vas intimider. Tu avais promis que tu m'aiderais à faire éclater la vérité. Et je le ferai. Mais laisse-moi faire comme je veux. Ok. Ok. Je suis désolée. Je voulais cette petite satisfaction. Tu l'auras. Ça fait tout drôle de te voir sans un chien sur les talons. Je suis persuadée que ça te manque, hein? Ouais, Wolfin m'a suivi pendant 8 ans. Jusqu'à ce qu'un sombre crétin lui éclate la crâne. Où est passé Wolf 2? C'était pas pareil. Oh! Intéressant. Regarde, tu vois? C'est le même modèle que Phil Mayo avait au commissariat. Et le numéro? On va voir. Bon, attaque-toi ça. Je vérifie, Nat. Lola, c'est Kim. Salut, Dave. Ah ouais, ça peut aller, ça boum, et vous? Ouais. Ouais. J'espère que je ne te dérange pas. Ton portable est éteint. Dave a appelé. Il pense que Kyle avait pris une nouvelle drogue appelée le Yaba. Tu connais? Vaguement, oui. Il paraît que ça veut dire la drogue folle en thaï. Ça fait l'effet d'une dose d'ecstasy doublée de Viagra. Pour l'amour du ciel, n'en dis rien, Andy.
D'après ce qu'on dit, on peut l'avoir pour presque rien à Bangkok. Et Kyle y était justement avant de venir ici, alors. S'il a ramené un gros paquet, c'est peut-être pour ça que Phil le cherchait. Oui, c'est une possibilité. Oui, je te rappelle tout à l'heure. Oh, juste un petit truc. Il y avait la même Jaguar que celle de Phil Mayo sur la vidéo. Tu peux vérifier. Et laisse bien ton portable ouvert. D'accord. Lana ? Lana ! Quelle idiote ! Nat ? Nat ? Oh mon Dieu, Nat ! Attends, je vais m'occuper de toi. Quel salaud qui a fait ça ? Phil a découvert que c'est moi qui t'ai aidé l'autre soir. Et il a pas aimé du tout. Je suis désolée, Nat. Pourquoi il a tout cassé dans l'appartement ? Il aimait pas le décor, j'en sais rien, moi. Nat, est-ce que tu connais l'Iaba ? C'est une toute nouvelle drogue. Est-ce que c'est ce que Phil voulait trouver ? J'en sais rien du tout. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai rien à y voir. C'est peut-être pour ça que Kyle est décédé. Non, Kyle s'est tué parce qu'il ne supportait pas ce qu'il était, ok ? Toute sa vie, ce n'était qu'un mensonge. Il essayait à tout prix de prouver qu'il était comme les autres. Toutes ses filles avec lui et... Oh, Seigneur. C'est pathétique. Tu étais amoureux de lui ? Est-ce qu'il ressentait la même chose pour toi ? Ah, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous entré ? Ah, comme ça. Kyle avait un truc à moi et je veux qu'on me rende. J'ignore de quoi vous voulez parler. Mauvaise réponse. Sale pute. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé dans son appartement ? Rien du tout. T'en es sûr ? Réfléchis. Fais chier. Ça peut pas durer comme ça. Johnny, t'essayes d'être drôle. Je viens juste d'emmener Nat à l'hôpital, d'accord ? Phil a démoli son appart. Ça risque de finir très mal, je dois voir Lana. Elle est là. Choisis un autre moment. Ah ! Je l'ai pas trouvé ! Quoi ? Qu'est-ce que tu voulais trouver ? Une cassette ! Mais de quoi est-ce que tu parles ? Lana ! Empêchez cette dingue de s'approcher de moi ! Il doit payer pour ce qu'il a fait. Lana, ça suffit, va m'attendre dehors. Non. Je crois qu'elle n'a pas trop apprécié ce que tu as fait à son mari, Phil. C'est n'importe quoi, mec. Ouvre ce putain de coffre. Sors-moi de là, j'y suis pour rien. Allez, Phil, dis tout au gentil monsieur. Kyle t'a aidé à monter ton site internet et il racolait pour toi. Mais il était trop gourmand à la fin. Oh, de quoi tu parles, mec? Dis-moi à quel moment je me gourre. Je me suis renseigné sur toi, Lawless. Ouais, t'étais des narcotiques et on t'a viré parce que t'y touchais. Tu veux aller chez les flics ? J'ai pas besoin des flics pour régler mes affaires, mec. Je sais qui tu es, Lawless. Je sais qui tu es. Je vais te trouver un avion et te renvoyer chez toi. Tu veux te débarrasser de moi ? Tu crois vraiment que Phil Mayo va te laisser te balader en ville ? T'as vu dans quel état tu l'as mis ? Garde ça en tête, il est très dangereux. Et moi aussi. Je tais-toi pour protéger ma vie. Sois raisonnable. Reste là. Qui c'est ? C'est moi. Je dois parler à Lana. Toute seule. Vous ne vous doutiez de rien. Je suppose que j'aurais dû m'en apercevoir. J'aimerais rencontrer cette personne. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. C'était l'amant de mon époux. Mais c'est aussi un suspect. Vous le croyez impliqué dans le décès de Kyle ? Vous savez, on dit que la plupart des meurtres sont commis pour deux raisons. Il y a l'amour et aussi l'argent. Oh. Il adorait Kyle.
Pauvre crétin. Je vois que vous... Que vous avez réussi à surmonter votre chagrin. Exact. C'est exact, je fais tout pour ça. Il s'est produit un truc important et je voudrais que... Ouais, je sais. Alors, c'était excitant de te faire une cliente? J'en sais rien. Alors, c'est sérieux? Tout ce que je sais, c'est que... c'est la femme la plus belle, la plus excitante que j'ai rencontrée. Normal, ça s'explique. Son époux est gay, je suppose qu'elle en avait envie depuis longtemps. N'importe quoi. Bien, on fait quoi? Je te ramène au bureau? Ben, il y a un problème, Jodie. Ah oui, de quoi tu parles? Phil Mayo est un peu en colère contre nous. Et pourquoi ça? Jodie. Oh. Jodie! T'es qu'un crétin, Loles! Elle était furieuse! Oh, alors elle lui a écrasé la main pour se calmer, c'est ça? Vous êtes faits pour aller ensemble! Jodie, attends! C'est rien, on n'a qu'à s'installer ailleurs pour travailler jusqu'à ce que tout soit réglé. Pourquoi je quitterais mon bureau? Parce que tu te laisses mener par une bonne femme? C'est quoi ton problème, hein? J'ai mis mon cœur, ma vie entière pour arriver où j'en suis, mais t'en as plus rien à faire. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes parties de jambes en l'air dans une chambre d'hôtel. Excuse-moi, non, c'est pas du tout ça. Si, si, c'est trop pesant pour toi. Alors vas-y, repars dans ton ancienne vie où fallait que tu te battes pour survivre. C'était quoi? Nat, vous connaissiez Kyle et Vitaly? Oui. Je m'appelle Lana, je suis sa femme. J'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Jody m'a dit pour vous et Kyle. Est-ce que je peux entrer? Merci. Je repars pour les États-Unis dès demain, pour enterrer Kyle. Mais avant de partir, je voulais parler avec vous. Avec moi? Pourquoi? Parce que vous comptiez beaucoup pour lui. C'est vrai, Kyle et moi étions séparés, mais nous étions restés amis, voyez-vous. Il m'a appelé quelques jours avant son décès et m'a dit qu'il était amoureux de quelqu'un. Je crois que c'était de vous, Nat. C'est... Il savait comment me mettre... en colère. Moi aussi. Je l'ai vraiment aimé. Est-ce que Kyle vous a confié quelque chose à conserver pour lui? Il avait quelque chose qui m'appartient et je voudrais le récupérer. Non. Mais peut-être que c'est dans son entrepôt. Vous n'auriez pas le double des clés par hasard? Non. Mais le numéro à taper, oui. C'est ma date de naissance. Faites relever les empreintes dans tout le local. Je crois que c'est par là qu'ils sont entrés. C'est pas vrai, l'équipement, les contacts. Toute la base de données envolée. Je sais. Et la moitié de ma garde-robe aussi. T'es professionnel. La bombe a été balancée d'une voiture. Ouais, et on sait tous qui a fait le coup, non? Mayo a un bon alibi. Il était à l'hôpital avec une main dans un sale état. Son partenaire de tennis l'a pas loupé. Je vais pleurer. Bon, je vous laisse. Je vais avec elle. Ouais, c'est bon comme ça. Quoi?
Le bureau, on le refera ensemble. On va continuer, ok? Je m'en serais voulu à mort si tu avais eu quelque chose. Je suis vraiment, vraiment désolé, Jody. Allez. Je crois que c'est fini, tu sais. Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Que la voiture de Mayo n'a aucune marque sur elle. Mais on va le laisser mettre toutes ses pauvres filles en danger. Je sais plus de quel côté aller. Bon, on va reprendre à la base, à l'ancienne. Bon, espérons que les éboueurs sont pas déjà passés. 14, 11, 9, on y est. Génial. Au boulot. Tu pourras toujours te recycler. Hé, c'est ce que j'ai dit au bureau. C'est déjà oublié. Mais si tu veux faire ta vie, eh bien, vas-y. J'ai déjà une vie. Bien, le sujet est clos. J'ai l'impression de violer son intimité, tu crois pas? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un papier de sa banque. Regarde, là. Apparemment, il paie pour un entrepôt quelque part. Est-ce que vous cherchiez? Oui, grâce à vous. Je parie que Kyle voulait vous faire voir ça. Je crois que c'est pour ça qu'on l'a tué. Oui, allô, je m'appelle Kyle Vitali. Je suis désolée de vous déranger. Vous allez sans doute me trouver ridicule, mais j'ai loué un entrepôt chez vous et je ne sais plus quel numéro c'était. C'est un peu embarrassant. Si vous pouviez m'aider. Ah, c'est vraiment gentil. Merci. Tu crois qu'on va réussir à entrer? Les cadenas sont solides, les cloisons, non. C'est plus la peine d'y aller. On sait jamais. Oh, quel merdier. Regarde ça. Ah, c'est cool. Oui, je crois que je peux arriver à y entrer si vous me laissez du temps. Oui, d'accord. Pouvez-vous lui demander de rappeler John, s'il vous plaît? Oui, très bien, merci. J'ai fini de vérifier les plaques d'immatriculation. La Jag appartient à un taxidermiste de la Côte-Nord. Il est blindé, le mec. La fille avec qui t'as discuté, Sarah, sa voiture n'est pas sur la liste. Aucun des véhicules du parking n'a été volé et aucune corrélation avec l'un ou l'autre de vos suspects. D'après ce que j'en sais. Mais... L'un était loué, mais j'ai pas réussi à avoir le nom. Oui, Kyle aurait pu en louer. Le gars du parking a vérifié tous les véhicules qui étaient là, aucun n'était à lui. Mais ton pote Nat, il a peut-être une voiture, lui. Oui, bon, je vérifierai ça demain. Elle a peut-être mal raccroché son téléphone, non? Ouais, ouais, peut-être. Tu devrais peut-être aller voir chez elle. Ouais. Je vous retrouve tout à l'heure. Faites attention à vous. Bonsoir. Ah, chérie. Je t'avais demandé de ne pas sortir. Mmh. Oui, j'ai fait une course. Oh. Mmh. T'as vu l'heure qu'il est? Oui, tout était fermé. Mmh. Qu'est-ce que tu voulais? J'avais des trucs à faire, et comme t'étais pas là, je me sentais seule. Puis tu t'es fait des soucis pour moi. Mais qu'est-ce que tu crois? Je t'adore. Là, viens t'étendre. Voilà, calme-toi. Voilà, comme ça. Là. Calme, ma chérie. Ok.
caméra est branchée, ça y est. N'essaie pas de me doubler, Kyle. J'ai entendu dire que tu parles trop. Stop, d'accord? Parce que si jamais je tombe pour ça, fais gaffe à ce qui va t'arriver. J'entends et j'obéis. Stop, d'accord? Parce que si jamais je tombe pour ça, fais gaffe à ce qui va t'arriver. J'entends et j'obéis. On y est, c'est fait. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Tout ce qui lierait Phil Mayo à cet horrible site internet et indiquerait où ces films sont tournés. On devrait appeler John Boy et lui dire. Non, ça attendra bien jusqu'à demain. Tu l'aimes, hein, Johnny? Qui ça? John Boy. J'en sais rien. Il n'y a rien de pire que de vouloir quelqu'un que tu peux pas avoir. Moi, ça me fait mal jusque dans la moelle des os. Et une moelle en particulier. Ah ! On peut toujours lui coller une bombe dans son club. Œil pour œil. Je riais, voyons, mon chéri. Tu sais, ça ne me surprend plus de ta part. Je suis trop dingue pour toi, peut-être. J'ai pas dit ça. Mais tu es le vilain petit canard, non? C'est vrai qu'on t'a viré pour ce que Phil a dit? J'étais en service et ça en faisait partie, c'est tout. Mais tu n'as jamais sniffé, hein? Est-ce que tu en prends encore? Pourquoi, c'est ton truc? On en prendrait tous les deux. Ça ne m'intéresse plus, c'est tout. Moi non plus. Bon, ta vie était intéressante. Aimerais-tu en avoir une encore meilleure? Quoi tu parles? Je veux qu'on reparte aux États-Unis ensemble demain. Quoi? Je suis sûre que ça te plaira. Écoute, c'est ridicule. On a presque découvert comment ton mari est décédé. Rien à faire. Je veux laisser tout ça, oublier, être insouciante. Et je veux faire ça avec toi. T'as envie? Ouais, je l'avoue. Mais je peux pas faire ça. Mais qu'est-ce qui te retient ici? Je suis riche, on peut aller où on veut, au bout du monde. Et on va oublier Kyle et Mayo, juste toi et moi. Ce bébé va tellement vite. Ah, j'adorerais en avoir un comme ça. Ben, et alors t'en as un? Et j'ai le droit de mémoriser les photos. Il n'y a rien ici qui relie ce site avec Phil. Je parie que Phil n'en sait rien. Ok, c'est lancé. Allô, Phil? Salut. Eh bien, c'est pas important qui c'est. C'est Kyle qui m'a remis un truc à garder pour lui. Eh bien, c'est une vidéo faite d'après ce qu'on voit le 5 du mois et remise à jour le 19, ça c'est sûr. C'est bizarrement juste avant que le pauvre Kyle décide de mourir. Oui, nous avons la bande. Disons 100 000 dollars. Eh bien, si vous voulez, nous pouvons vous envoyer un petit passage de la bande par email. Non, je vous contacterai. Ah, c'est vraiment excellent, princesse. Tu sais, dans le futur, tu peux être maître chanteur. Merci. On devrait dire à John Boy qu'il est l'heure de sortir du lit. Oh, je crois qu'on a mis la pression à Monsieur Mayo. On avait besoin de John Boy en renfort. On l'a paumé. Là, il est là, regarde devant.
J'aurais aimé aller avec toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Oui, je sais, mais quand même. Non, c'est rien. Apparemment, ils mettent le cercueil dans un plastique hermétique pour le mettre dans l'avion. Ça sera ma dernière chance de dire au revoir à Kyle. On a eu des moments heureux. Je ne veux me souvenir que de cela. Oui, bien sûr. Alors, monsieur Loles, tu as pris ta décision? La décision. Ouais, qu'est-ce que je risque, hein? Je vais chercher un billet. Ouais. Tu vas pas le regretter. J'espère bien que non. Ça non. À tout à l'heure. D'accord. Ciao. Ouais. Ça y est, on a réussi, on a mis le loup dans la bergerie, oh, oui. Ouais. Appelle Dave et dis-lui de ne pas traîner. Ouais. Hey, on dirait Nat. Qu'est-ce qu'il fait ici? Hé hey. Fumier. Non. C'est bien. Nat. Nat. Pose ce couteau tout de suite. Pose-le vite, allez. Oui, une ambulance, vite! Un homme a été blessé, il a l'air salement amoché. Oui, il faut que la police vienne. 167 Railside Avenue. Ils vont arriver. Ici la centrale, ici la centrale, on a eu un accident au quartier nord 23e. Bon, ça y est, t'es prêt, on peut l'emmener? Oh là là, le pauvre, il est mal en point. Vous voulez aller le voir à l'intérieur, c'est le moment. Ok. Prends tous les numéros. Vous aviez raison, c'était bien une production locale. Ça, il était attaché derrière l'immeuble. Oh non! Là, ça, c'est dégoûtant. Quoi? Utiliser des personnes, c'est une chose, mais de pauvres animaux. Ah, oh, tu crois? Oh, Seigneur! Ça vous fait rire? Donnez, je le prends. On peut regarder. Est-ce que c'est une preuve? Je crois que c'est ce que Mayo cherchait. Et pour ça que Nat l'a tué. Ah, viens t'étendre. Voilà, calme-toi. La caméra est branchée, ça y est. N'essaie pas de me doubler, Kyle. J'ai entendu dire que tu parles trop, parce que si jamais je tombe pour ça, fais gaffe à ce qui va t'arriver. Je me faisais du souci pour lui, il s'impliquait trop avec Phil. Kyle trouvait ça drôle. Il disait Phil me touchera jamais. À cause de la bande. Ouais, évidemment. C'est pour ça qu'il l'a tué. Ouais, il était prêt à tout pour la récupérer. Où est-ce que t'as trouvé cette bande, Nat? Dans l'entrepôt. Kyle y avait mis ses affaires et elle les voulait. Qui? Lana. Au revoir.
C'est pas trop dur. Vous pouvez fermer maintenant. Bien. Ça va aller. Je passais dans le quartier et je me suis dit que tu aurais besoin de moi. Merci. J'ai plus rien à faire ici. J'ai plus rien à faire ici, viens. Tu veux que je le porte ? Non, ça va. Tu es un vrai gentleman. C'est ce qu'elles disent toutes. Est-ce que tu as ton billet ? Non, pas encore, je passerai à l'aéroport tout à l'heure. Un bisou. Que puis-je pour vous ? J'ai appelé tout à l'heure, j'ai eu un petit accrochage. Avec une voiture à nous ? C'était une de vos voitures qui m'a tamponné, j'étais au stop et j'ai senti un bang. Alors, je lui ai demandé son nom, mais je l'ai égaré. Et mon assurance refuse de me rembourser jusqu'à ce que j'aie le nom, alors... Quand était-ce ? C'était samedi dernier. J'ai la plaque d'immatriculation. YG5553. Oui, elle est rentrée le dimanche, un choc de vent sur le capot aussi. Je suppose que vous pouvez pas me donner le nom comme ça. Je n'ai rien décompris. Oui, je sais, merci. Merci. Il vous faut autre chose ? Non, rien. Merci. Tu peux me faire entrer dans sa chambre ? Difficile, c'est l'électronique qui domine tout. Pour y arriver, il faut un spécialiste. Oui ou non, Andy ? Non, je peux pas le faire. Bon, écoute, tu restes ici. Et si Lana se ramène, tu m'appelles, c'est compris, d'accord ? Tu parles d'un plan. Enfermée hors de ma chambre pour prendre mon journal, mais j'ai oublié la clé. D'accord, pas de problème, venez. C'est gentil, merci. Oh, super, merci à vous. Oh, de rien. Au revoir. Merci encore. Voilà le tien, avec lait, je sais. Je suis sûr que t'aimeras ça. Ah, ça, c'est chouette, hein ? Le mien aussi. Oh ! Attends, attends. John Boy est là. Oui. Tu veux que je monte ? Non. Tu prends aussi ce chien. Essaie de lui trouver un bon maître. Tu ne le gardes pas ? Non. C'est non. Ça suffit, ok ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Mon psy, il dit que je vais pas y arriver. Que je suis pas prêt. Bon, et si je mets mon nom, ça va suffire ?
On dira que c'est mon filleul. Jody? Oui, et puis si t'as un souci, je prendrai soin de lui. Ok. Bonne chance avec John Boy. Merci, Andy. Salut! Oui, oui, je sais. Moi aussi, j'aimerais bien l'avoir comme maîtresse. Ça va? Ouais. Et toi? Tu sais, pour Phil Mayo? Ouais, je suis au courant. C'est Nat qui a fait le sale boulot. On aurait tous dû le faire avant. Et ça, c'est une bonne idée? Je suis à court de bonnes idées. Tu sais, j'ai réfléchi. Lana était à Bangkok au même moment que Kyle. Et elle est arrivée ici 3 jours plus tôt que ce qu'elle a dit. Elle n'est donc pas venue récupérer le corps puisque Kyle n'était pas encore décédé. Je suis au courant. Elle a loué une voiture ce matin-là et l'a rendue le lendemain. Il faut le dire à Dave. Ah, ah. La voiture a été réparée. On peut même pas l'accuser. Mais on a un film des voitures passées dans le parking. On ignore qui était au volant. Alors tu me dis carrément qu'elle va s'en sortir. Non, qui a dit ça? Alors, Kyle repart demain en avion avec toi. Exact. Tu vois, c'est fini, ça y est. Je sens qu'il est sorti de mon existence. Tu restes alors, c'est d'accord? Non, non, il y a les funérailles. Et alors, tu lui as déjà dit au revoir à la morgue? Qu'est-ce qui ne va pas ce soir, John? Où est-ce que tu m'emmènes? C'est une bonne surprise. Drôle du tout, John. J'ai pensé que ça pourrait t'aider à faire le deuil de Kyle. Belle vue, hein? À quoi tu penses? Kyle est arrivé par l'ascenseur qui est là-bas. Il devait rencontrer quelqu'un venu en voiture, comme nous. Je pense qu'il y a eu une dispute et qu'il a décidé de s'en aller. Mais la voiture l'a suivi et là... As-tu fait venir Kyle ici pour le tuer? As-tu fait venir Kyle ici pour le tuer? On avait organisé un deal, tu vois. Pas avec les copains habituels, mais avec des gens qui aiment pas qu'on se foute d'eux. Kyle savait que si je ne me montrais pas avec la drogue, j'allais être tuée. Alors, combien de yabas est-ce que vous avez pris? 75 000 en tout. Nous, on en tire 2 millions. On peut aller où on veut, c'est toi qui décides. Jusqu'à ce que tu en aies assez de moi. Non, tu n'as rien à voir avec lui. C'était un manipulateur, un salopard. Seigneur Lana, c'était ton mari. Tu veux savoir quel genre de mari c'était? Quand on était en Thaïlande à faire le deal, je l'ai retrouvé au pieu avec un gamin. Tu lui as collé une raclée comme à Phil. Il s'est sauvé avec la drogue sans penser à ce qui pouvait se passer pour moi. Et ce n'est qu'au bout de 2 mois que je l'ai retrouvé. C'était lui ou moi, tu dois me croire, c'est vrai. Mais je n'ai plus confiance en toi, tu n'as fait que mentir. Tu t'es foutu de moi depuis le début et maintenant c'est fini. Oui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce qui inclut de tuer ton mari. Non, non, t'as aucune preuve de ce que j'ai fait. Tu
suis arrivé bien avant que Kyle soit tué. Est-ce que je ne représente rien du tout pour toi ? Non. Tu t'es servi de moi pour trouver ta drogue. Oui, au début, oui. Mais s'il te plaît, on peut encore prendre cet avion. On peut encore avoir la vie comme dans nos plans. On n'avait pas fait de plan. S'il te plaît, rends-moi mon passeport. Ah oui, et lequel tu veux ? Je vais m'en aller demain matin, et tu ne peux pas m'en empêcher. Je voudrais que tu prennes cet avion avec moi. De toute façon, je m'en vais. Tiens, mon grand. 75 000 comprimés ne vont pas tenir dans une chaussure. Et il n'était pas dans sa chambre. Je sais où ils sont. Alors on appelle Dave et on le laisse se débrouiller ? Ça marchera pas. Le laisse. Je comprends ce que tu ressens. J'en crois rien, Jody. Chaque nouvelle drogue doit être classifiée pour savoir si elle est illégale selon la réglementation en vigueur. Ces yabas ne sont pas encore classifiés, d'accord ? Donc pas illégaux chez nous ? Pas encore, mais ils le sont aux États-Unis. Tu veux dire qu'on s'en fiche ? Kyle était tout aussi pourri que Mayo. Si Lana arrive à s'en sortir, est-ce que c'est important ? Oui, c'est très important. Tu sais que c'est très important. Ouais. Allez, Andy, bois ta bière. On va au funérarium. Ce sera très bien ici, devant ce mur. Pause. Attention, le petit oiseau va sortir. Est-ce que t'es sérieuse ? Je peux en avoir une à poil pour mon album souvenir ? Tu rêves, l'ami. La sœur de Kyle, et voici mon fiancé Milton. Ravi de vous rencontrer. Comme vous le voyez, c'est déjà emballé pour le voyage. Oui, on est vraiment désolés, mais ma belle-sœur et moi, on s'est réunis pour en discuter. Maintenant, on est d'accord sur tout. Voilà les papiers pour vous. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Je veux qu'on discute. Je pense qu'on s'est tout dit hier soir. Lana. Lana. J'étais vraiment amoureuse, John. Et je ne t'oublierai jamais. Oui. Moi non plus. T'as changé d'avis, tu pars ? Accompagne-moi au bureau de police. Explique-leur ce que tu as fait. Quoi ? T'en prendras pour 10 ans, maxi. Si on les persuade qu'il n'y a pas eu préméditation, ce sera encore moins, peut-être 6 ans. Surtout, ne dis pas que tu m'attendras. J'essaie juste de t'offrir une dernière chance. Adieu, John. Vous avez dit qu'il serait. Tu continues la partie ou non ? Oui.
Elle survivra, Loles. Ouais. Ouais, je m'y ferai, Eva. Mais c'est les autres gars qui vont devoir se méfier. Allez, viens. Alors, où est-ce que tu veux aller? Je vais sortir en mer. Tu veux une passagère? Tu vas vomir sur moi. Oui, probablement, mais il faut savoir vivre dangereusement.